Et si je te disais qu'il était possible de gagner de l'argent de chez toi sans compétences, sans investir et dès la fin de cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir ensemble 8 business models que tu vas pouvoir appliquer et que tu vas pouvoir reproduire pour générer des revenus de chez toi. Donc c'est des manières de générer de revenus qui ne demandent pas d'investissement. Très souvent sur internet, quand tu veux gagner de l'argent, il faut en dépenser. Et c'est un peu problématique parce que quand on veut gagner de l'argent, on ne veut pas en dépenser. Donc dans cette vidéo, tu verras 8 business models que tu vas pouvoir tout simplement répliquer et qui vont te permettre de gagner de l'argent. C'est pas des business models qui vont te rendre riche, mais c'est des business models qui peuvent te permettre d'accéder à un complément de revenus. On va se retrouver sur mon écran, mais avant ça, n'hésite pas à liker cette vidéo et à t'abonner à la chaîne Ecom French Touch. Je vais te montrer quelques pépites dans cette vidéo. J'espère vraiment que tu vas apprécier. On se retrouve juste après l'intro. Le premier business model que je vais te présenter, il est vraiment cool. En fait, tu vas pouvoir faire des compilations et les reposter sur YouTube. Alors attention, directement, je vois pas mal de gens se dire « Oui, mais les vidéos vont pas être monétisées, etc. » On s'en fiche. Ici, je vais te montrer un business model où tu n'as pas besoin de la monétisation YouTube. Regarde, je vais te montrer. On aura besoin de deux applications en fait. On va avoir besoin de TikTok. Donc tu peux voir ici, hop, je vais aller sur TikTok. Sur TikTok, il y a des vidéos qui sont marrantes. Il y a des vidéos qui buzzent. Donc voilà, là je vais choisir quelques centres d'intérêt au hasard. Et donc directement ici, j'ai des vidéos qui buzzent. Tu vois, j'ai juste à descendre, hop, j'ai plein de vidéos. Ces vidéos, je peux les réutiliser en compilation. Je ne peux pas gagner d'argent en monétisant ces vidéos. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux faire quelque chose qui est très malin. Regardez, on va se retrouver directement sur YouTube. Par exemple, c'est ce que fait cette chaîne, Best TikTok Compilation. Donc, vous voyez ici, on est directement sur cette chaîne. Et regardez un peu le nombre d'abonnés, 1,91 million d'abonnés. Et ce qui est super intéressant, c'est que cette chaîne, elle a jamais créé aucun contenu, ok? Elle fait que du repost. Donc, cette chaîne se fait démonétiser, c'est normal, elle réutilise du contenu de créateur et donc elle ne peut pas monétiser. Par contre, ils ont trouvé une parade. En fait, si vous regardez à chaque fois les vidéos de Best TikTok Compilation, bah, qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'ils font tout simplement des placements de produits. Donc, ce que vous allez faire en fait, et le business model, il est extrêmement simple, c'est tout simplement d'utiliser des vidéos qui buzzent déjà. Par exemple, hop, juste ici, ce qu'ils font en fait, c'est qu'ils vont sur TikTok. Donc ici, vous avez TikTok. Ils vont se servir en vidéo. Ils vont prendre, je sais pas moi, peut-être 500 vidéos. Ils vont en faire une vidéo YouTube. L'avantage de ça, c'est que vous avez du contenu qui a déjà buzzé, ok? Le contenu TikTok, il y a des créateurs qui se sont saignés, qui ont fait du très bon contenu. Donc, c'est du contenu qui est regardé et qui va buzzer, qui va faire réagir les gens. Donc, votre vidéo YouTube, il y a une très forte chance qu'elle buzz aussi. Puisque, tout simplement, ben, il y a que du contenu viral dedans. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous faites une chaîne YouTube où vous allez reposter, eh bien, uniquement ce contenu YouTube. Donc là, c'est un des meilleurs exemples, hein, Best TikTok Compilation. Donc là, ils ont réussi à faire un truc de dingue. Mais, à mon avis, ils doivent facturer leur placement de produits des centaines, voire des milliers d'euros à chaque fois. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez trouver des compilations sur le net, créer une chaîne YouTube, faire exploser tout ça, tout simplement en postant du contenu régulier. On voit que ça fait maintenant plus d'un an, tout simplement, qu'ils sont ici sur YouTube. Et au bout d'un an, bah, voilà, ils génèrent pas mal d'argent grâce au placement dans leurs vidéos. Donc, vous n'avez pas toujours besoin de la monétisation YouTube. Des compilations et une chaîne qui explose, ça peut vous permettre de gagner de l'argent tout en restant à la maison. Deuxième business model dont je voudrais vous parler. Qui n'a jamais rêvé de vendre les habits qu'il avait chez soi? Je vais vous montrer ici un site qui va vous permettre de vendre rapidement les habits que vous avez déjà chez vous. Regardez, je vous montre sur mon écran. Donc là, ici, on est sur Vinted. Donc sur Vinted, vous pouvez vendre très rapidement vos habits. On voit quelqu'un ici qui vend des Timberland 10 euros. On voit quelqu'un ici qui vend des autres Timberland 20 euros, des Converse. Et donc, en fait, pour vendre, c'est très simple. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans votre garde-robe et vous allez chercher tous les habits que vous ne mettez plus, les habits trop petits, les habits que vous n'aimez plus. Et on va aller ici dans « Vendre ». Ici, dans « Vendre », il vous suffit d'ajouter la photo que vous voulez ajouter. Donc là, vous pouvez ajouter la photo de votre habit, hein. Moi, j'ai pas de photo d'habit, donc je mets un petit exemple. Ici, vous allez mettre un titre et décrire votre article. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est d'être le plus précis possible et pourquoi pas d'être original, de faire des belles photos pour être sûr de vendre votre article. Donc ensuite, vous allez choisir la catégorie. Vous allez pouvoir choisir la marque, l'état, les prix sans frais de port et si vous êtes intéressé par les échanges ou non. Ensuite, vous ajoutez sur la plateforme et la plateforme, finalement, va se charger de vendre le produit pour vous et le mettre devant les bonnes personnes. Ce qui est super intéressant, c'est que en quelques clics, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être un professionnel de la photo, vous pouvez tout simplement vendre vos habits. Donc, gagner de l'argent de chez soi en vendant ses vieux habits, c'est possible et c'est ce que je viens de vous montrer juste ici. Le troisième business model dont je voudrais vous parler, c'est d'être assistant virtuel. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais qu'est-ce que c'est assistant virtuel? C'est tout simplement, vous allez assister quelqu'un de votre ordinateur. Par exemple, nous, on utilise un assistant virtuel pour gérer notre service après-vente, pour gérer notre blog, pour gérer les réclamations clients, le management de notre groupe Facebook, etc. Donc, vous allez me dire, ok,
Mais comment est-ce que je deviens assistant virtuel de chez moi sans compétences? Bah, je vais vous montrer, en fait, c'est assez simple et vous n'avez pas besoin de compétences pour la plupart des choses. Donc, on va aller ici sur un site qui s'appelle Upwork directement. Et en fait, Upwork, ça va vous permettre de proposer vos compétences en assistant virtuel. Donc, on va aller ici sur Upwork, juste là. Hop, et vous allez voir que en fait, c'est assez facile de proposer ça. Vous voyez ici, il y a des freelancers qui proposent pas mal de choses. En fait, sur Upwork, ce qui est top, c'est que vous allez pouvoir tout simplement mettre une offre d'emploi. Donc, vous allez vous proposer à l'embauche pour être assistant virtuel. Pour ça, c'est assez simple. Dites que vous pouvez faire de la saisie de données, dites que vous pouvez répondre au SAV, que vous pouvez répondre aux réclamations clients. Et à partir de là, vous pouvez être payé entre 10 et 30 dollars de l'heure pour faire l'assistant virtuel. Donc, c'est pas des sommes folles, mais ça permet quand même de gagner de l'argent. Il faut savoir que des assistants virtuels, c'est très recherché sur Internet parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des business sur Internet qui n'ont pas le temps, en fait, d'être leur propre assistant virtuel. Donc, réfléchissez à ça et donc, vous pouvez poster des offres sur Upwork, vous pouvez poster des offres sur Fiverr, sur 5euros.com. Et si on regarde ici sur combien gagne un assistant virtuel, donc il y a cet article qui nous dit « Les assistants virtuels débutants commencent autour de 12 dollars de l'heure. Posséder de l'expérience et des compétences peut augmenter le salaire pour autant que 60 dollars de l'heure. » Donc, vous pouvez gagner 50€ par heure pour être un assistant virtuel de chez vous. Donc, c'est pas mal. Vous n'avez pas de frais de voiture, vous n'avez pas de frais où vous devez vous déplacer, etc. Vous n'avez pas forcément de boss. Donc, vous pouvez travailler de chez vous pour 50€ de l'heure. Alors, ça va pas être le cas au début, mais avec Upwork, Fiverr, 5euros.com et les groupes Facebook, vous pouvez très facilement trouver des clients pour être un assistant virtuel. Quatrième business model, c'est pour les artistes, mais pas que. Peut-être que vous êtes déjà dit, tiens, ce t-shirt, si je pouvais le créer rapidement avec telle photo, je pourrais gagner pas mal d'argent en le vendant. Peut-être que vous vous êtes dit, si je personnalisais, je sais pas moi, une gourde ou alors des stylos, je pourrais en vendre des tonnes. Eh bien, il y a un site qui vous permet de faire ça. Regardez sur mon écran. Ici, on est sur Redbubble. Donc Redbubble, c'est un site qui va vous permettre en fait de vendre vos designs très rapidement. Eux, ils vont juste prendre une commission, ils vont se charger de l'envoi, du service après-vente et de tout en fait ce qui en découle. Donc c'est top pour vous, vous avez absolument rien à gérer si ce n'est que de créer un design. Donc si on regarde un peu les t-shirts, les best-sellers, il suffit de cliquer juste ici, hop, et on voit les différents t-shirts. Donc ça, c'est les t-shirts qui vendent le mieux. Donc vous voyez les designs, c'est pas fou. En fait, ce que vous allez pouvoir faire, c'est que vous allez pouvoir prendre des images libres de droit, les mettre sur Redbubble et tout simplement pouvoir vendre les produits. Donc comment est-ce que ça fonctionne en fait? C'est assez simple, vous trouvez une banque d'images style Pixabay, vous prenez un design, ensuite sur Redbubble, en quelques clics, vous pouvez personnaliser un t-shirt, une gourde et plein d'autres choses. Et à partir de là, le site les référence et les met en ligne pour vous. Vous n'avez rien besoin de faire. Plus vous allez mettre de design sur le site, plus vous avez en fait de chances que votre design soit vendu. À partir de là, en multipliant les designs, vous allez tout simplement multiplier les ventes. Donc vous voyez, en fait, il n'y a pas que les t-shirts, il y a aussi des stickers, il y a des masques, il y a du fan art, il y a beaucoup de choses en fait. Donc si on va dans masque aussi, ils font de la personnalisation de masques directement, masque en tissu. Donc vous pouvez tout simplement faire votre design et eux vont vendre le masque pour vous. Donc ça, c'est vraiment top, c'est vraiment très très simple d'accès comme business. Vous avez juste à avoir votre design, vous vous inscrivez sur Redbubble, vous importez la photo du design et ensuite ils se chargent de tout. Et si vous voulez, vous pouvez même partager le lien de vos produits sur Facebook pour avoir encore plus de ventes. Le cinquième business model que j'aimerais vous présenter, c'est le métier de freelancer. Alors là, on va se concentrer sur les freelancers qui écrivent des articles. Peut-être que vous êtes déjà dit, voilà, j'aime bien écrire. Écrire pour moi, c'est une passion. Ou tout simplement, vous savez écrire français sans trop de fautes et vous vous dites, voilà, j'aimerais bien gagner de l'argent grâce à ça. Eh bien, à partir de maintenant, vous allez le pouvoir. En fait, sur 5euros.com, pour les francophones, vous allez pouvoir tout simplement vendre des articles. Regardez avec moi. Ici, je vais écrire un article de qualité de 400 mots pour 5€. Je vais rédiger un article SEO entre 500 et 600 mots. Je vais faire la rédaction SEO de vos articles et fiches produits. En fait, si vous aimez écrire, eh bien, sur des sites comme 5euros.com, vous allez pouvoir tout simplement écrire des textes pour certaines personnes. À partir du moment où vous avez l'habitude, où vous avez déjà écrit plusieurs articles, vous allez pouvoir aller très très vite. Donc un freelancer rédacteur, il peut gagner entre 10 et on va dire 25€ de l'heure. Donc c'est pas un business qui va vous rendre riche. Néanmoins, voilà, si vous travaillez 3 heures par jour, que vous faites 75€ par jour, multiplié par 30, vous êtes à plus de 2000€ par mois et finalement vous êtes resté chez vous. Donc ça, c'est vraiment top. Donc comment est-ce qu'on commence là-dedans? Au début, on commence avec des tarifs peu élevés. C'est normal, il va falloir se faire une renommée. Et à partir du moment où votre service est bien en place dans 5euros.com, vous pouvez vous permettre de remonter les prix. Donc, pour trouver des clients, c'est assez simple. Des groupes Facebook, des sites de dropshipping. Donc, vous allez dans tous les groupes dropshipping. Il y a beaucoup de sites dropshipping qui veulent des fiches produits. Il y a beaucoup d'entrepreneurs du web qui ont besoin de rédacteurs pour leur blog. Donc, vous pouvez soit contacter des blogs, vous pouvez tout simplement vous mettre sur 5euros.com, aller dans des groupes Facebook. Et donc, ça, c'est un business qui est assez facile à faire. Il suffit juste de savoir écrire français et savoir faire des recherches. Et à partir de là, vous allez pouvoir rédiger des articles. Pour ce qui est de la rédaction d'articles SEO, donc optimisés pour le web, là,
il va falloir vous former un peu plus, mais rien d'insurmontable, je suis sûr que vous pouvez y arriver. Sixième business model que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est faire de la transcription. Alors qu'est-ce que la transcription? C'est tout simplement, vous avez une vidéo et vous allez écrire le texte que vous entendez, ou même le traduire dans une autre langue. Regardez sur 5euros.com, j'ai tapé transcription ici. Donc je vais retranscrire votre fichier 5€, je vais faire la retranscription de 15 minutes d'enregistrement, je vais faire la transcription de vos audios et vidéos, je vais réaliser la transcription de vos fichiers audio. Ici, je vais faire la transcription de vos fichiers audio également, donc on va cliquer dessus. Et ensuite, à chaque fois la transcription dure plus longtemps, il y a finalement un prix qui augmente. Donc pourquoi est-ce que c'est extrêmement intéressant? Parce que là aussi, vous n'avez pas besoin de compétences, vous pouvez travailler de chez vous et faire de la retranscription. Donc moi, par exemple, je cherche quelqu'un pour retranscrire certaines de mes vidéos et interviews. Donc si vous avez la compétence, mettez-le dans la description et envoyez-moi le lien de votre service 5€, ça m'intéresse, mais je suis pas le seul. Il y a énormément de youtubeurs qui veulent la retranscription de leurs vidéos. Donc réfléchissez à ça, c'est un service que vous pouvez proposer et c'est un business model qui peut vous permettre de générer de l'argent facilement. Septième business model que je voudrais vous présenter, vous avez une compétence que vous sous-estimez. Cette compétence, c'est de parler français. Parler français, il y a des millions de personnes dans le monde qui aimeraient savoir le faire aussi bien que vous. Et si vous regardez cette vidéo, c'est probablement parce que vous êtes français ou alors bilingue français ou alors que vous comprenez très bien le français. Regardez sur mon écran ici. Donc, il y a pas mal de services sur Fiverr qui disent « je vais vous apprendre à parler français ». Et en fait, ce qui est intéressant en tant que français, eh bien, c'est qu'on peut tout simplement faire des Skype avec des étrangers. Donc, comment est-ce que ça se passe? Il y a des gens sur Internet qui ont besoin de dialoguer avec des gens qui parlent vraiment la langue et qui parlent très bien la langue. Donc sur Fiverr, vous pouvez mettre votre service, je vais dialoguer en français avec vous pendant 15 minutes. Et vous pouvez vous faire payer 5, 10, 15, 20 dollars ou même plus si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment bien parce que vous allez aider un étranger à parler français. Et vous, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez pas besoin de compétences. Donc vous n'allez pas être prof de français, vous allez tout simplement discuter avec lui. Lui dire des choses du style « Salut, comment tu vas? Combien de frères et sœurs tu as ?» Le corriger un petit peu, dialoguer avec lui. Et ça, c'est vraiment excellent parce que lui, il va progresser beaucoup et vous, ça va vous faire un petit salaire en plus, donc un complément de revenu. Donc ça, je peux vraiment bien en parler puisque je connais des gens, des amis proches, eh bien, qui font ce business model et en fait, qui donnent des cours juste pour dialoguer, qui sont pas profs. Donc par exemple, j'ai mon frère qui le fait en russe avec une russe, donc ça fonctionne très très bien. J'ai des amis à moi qui le font en français pour des anglais, en français pour des russes, etc. Donc ça fonctionne extrêmement bien et il y a une demande qui est énorme. Et il y a des gens qui préfèrent en fait dialoguer avec quelqu'un comme ça plutôt que d'avoir un cours. Je peux le comprendre, c'est beaucoup plus sympa. Donc ça, c'était le septième business model. Le huitième business model dont j'aimerais vous parler, c'est eBay. Donc sur eBay, on peut faire ce qu'on appelle de la vente ou du dropshipping. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez lister des produits d'Amazon sur eBay et lister des produits de eBay sur Amazon. Vous allez en fait tout simplement faire de l'arbitrage. J'achète un produit à un endroit et je le revends à un autre. Donc ça fonctionne très très bien. C'est probablement le business le plus risqué des 8 que je vous ai montré. Il demande pas d'investissement au départ, mais il demande beaucoup plus en fait de qualification. Si ça vous intéresse, regardez sur mon écran directement. J'ai écrit un petit article, comment faire du dropshipping sur eBay. Donc vous pouvez le lire, il est assez complet et il permet tout simplement de vous éduquer au dropshipping sur eBay. Donc c'est un business que je ne pratique pas. J'ai des amis qui le pratiquent, ça fonctionne très bien. C'est pas mon business préféré, mais si ça vous intéresse le dropshipping avec eBay, cliquez dans le petit lien dans la description, c'est gratuit, hein, c'est juste un article de blog et vous pouvez tout simplement suivre ça et c'est vraiment top. Également, si vous voulez récupérer notre ebook 5 étapes pour un business en ligne en or, c'est dans la description, vous pouvez récupérer un ebook qui va vous aider à créer un business en ligne rentable. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que finalement, utiliser l'iPad, l'Apple Pencil, tout ça, ça change un peu. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé ou si vous préférez 100% du facecam ou sur l'ordinateur. Surtout, n'hésitez pas, hein, les commentaires et les critiques, c'est toujours bienvenu. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne Ecom French Touch. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.